Aujourd'hui, on est présent tout simplement parce que l'inspection académique a décidé de fermer une classe de maternelle. Donc actuellement, il y a 4 classes, 2 classes de 23 enfants et 2 classes de 24 enfants. Donc on a fait des inscriptions en avance pour éviter cette fermeture de classe. Et au vu des inscriptions, il y a 97 enfants d'inscrits pour la rentrée de septembre 2018. 97 enfants sur 3 classes, c'est ingérable, c'est inconvenable. On ne peut pas faire subir ça à nos enfants. Est-ce qu'on vous a présenté une raison de ces fermetures de classes ? Bah non, on ne sait pas. Alors voilà, on sait qu'il y a des doublements d'enseignants dans les zones difficiles pour le CP, donc ce qu'on conçoit et ce qui est très bien. Mais par contre, c'est au détriment voilà, de la maternelle. La cause est noble à la base, puisque soi-disant, c'est pour faire des dédoublements. Je dis bien soi-disant parce que, voilà, dédoublement de CPCE1. La cause est très noble, sauf qu'on déshabille pas Pierre pour habiller Paul. On ferme pas, on n'en passe pas 32 enfants de 3 ans à 6 ans pour pouvoir mettre plus à l'aise d'autres enfants. On crée de l'emploi, on crée des nouveaux postes, mais on fait pas ce genre de choses. On dit non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'espoir de voir cette décision fléchir, inversée ? Oui, c'est pour oui, ça qu'on oui, est là. Oui, oui, on est là. Oui, et nous et tous les parents. Donc, oui. Et tant que la décision ne sera pas en notre faveur, eh ben, on continuera à se mobiliser, nous tous ensemble. On a déjà réfléchi à d'autres actions. Voilà, on va bouger, on ne va pas en rester là. Voilà, on lâche rien, on est motivé, on lâche rien. Hors de question que nos enfants soient 32, voire 33, puisque d'ici le mois de septembre 2018, on rappelle qu'il peut y avoir encore d'autres inscriptions. On a des maisons à vendre sur Saint-Georges-sur-Eure. C'est un beau village où il fait bon vivre et il est hors de question qu'on mette 32, voire 33 enfants dans une même classe. Alors si je suis là ce matin, c'est pour soutenir et accompagner bien sûr les parents d'élèves, l'association APE. Et dans la mesure où cette décision nous paraît complètement incompréhensible, pourquoi elle nous paraît incompréhensible ? Eh bien parce qu'elle n'a aucun fondement. Dans la mesure où aujourd'hui, 12 février 2018, il y a 94 élèves et il y a 4 classes. Et à la rentrée septembre 2018, 97 élèves sont déjà inscrits pour, enfin aujourd'hui pour septembre 2018 et il n'y aurait plus que 3 classes. Alors il faut nous expliquer où est la logique. Donc il n'y a bien sûr aucune logique et on ne peut pas, nous, au niveau de la municipalité, accepter une telle décision qui n'a pas été, qui n'est pas du tout justifiée. Alors vous faites partie des parents mobilisés. Pour vous également, 32 élèves de maternelle dans une même classe, c'est pas possible. Plus que pas possible, c'est incompréhensible. Et au-delà de la colère, c'est surtout une inquiétude aussi bien pour le mien que pour les autres, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de leur éducation même. C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'à 32 par classe, aussi bien les élèves, les enfants qui auront des facilités ne pourront pas les exploiter. Ceux qui auront des difficultés ne pourront pas avoir l'attention dont ils auraient eu besoin. Et sur le plan de la sécurité, on voit à la maison avec 2 ou 3 enfants la difficulté que ça représente. 30 enfants, plus de 30 enfants, même avec 2 personnes pour pouvoir s'en occuper. On a vraiment des craintes sur la qualité de l'enseignement, la sécurité. Et je pense que l'enseignement en maternelle, c'est comme les fondations d'une maison. Si on les rate, c'est probablement la suite de la scolarité qui risque d'en pâtir. Et ça, on n'est pas d'accord. Pour les nôtres et pour les autres.